Salut à toutes et à tous, c'est Cobra Guru, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans Surviving the Aftermath. Bon, j'ai tout nettoyé le coin, j'ai installé le ferrailleur avec la zone ici, j'ai installé des brûleurs tout le long, le problème c'est que pour le moment ils ne sont pas alimentés, même si on a récupéré du bois, j'ai mis deux personnes à travailler, le problème c'est que voilà, la vague de froid arrive. Elle arrive, j'ai la trouille. Ouais, les carcasses de rats, ça donne du gibier, de la viande de gibier. On va pas chercher à comprendre. Yes. Mais bon, on a nettoyé tout ce coin là, le problème c'est qu'il me faudrait nettoyer ici aussi. J'ai un peu de chance. J'ai pas beaucoup de blessés, mais je touche du bois. J'ai posé, voilà, le service psychiatrique a été construit, mais pour le moment, vu qu'il n'y a pas de demande, pour le moment, pas besoin. Alors, on a des survivants qui arrivent. Vont-ils me demander quelque chose? Est-ce qu'ils vont me demander, est-ce qu'ils ont un spécialiste avec eux? Parce que c'est ça le plus important. Ouais. 10 buffs séchés, 3 vêtements résistants. C'est pas mal, c'est pas mal. Bien évidemment, il n'y a plus... Alors... Bien sûr, on met en priorité Maxi. Ouais, c'est cool. Hop, tu pars. Tu repars de suite. Casse-toi. Je veux pas de toi ici. Non, c'est pas ça, c'est que... ouais, c'est l'hiver. Hein. Alors, le problème, c'est ça. C'est que en général, ils ont peu de points de déplacement. Ils en ont que 6. Que les autres en ont un peu plus. C'est variable. Hein. Vous voyez, elle, elle a 7. Mais 6, et je crois qu'elle a 6 aussi, hein, on le voit, c'est inscrit. Je devrais pas manquer de nourriture, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Le problème, il est là. C'est que ces tas n'apparaissent que quand vous avez le spécialiste sélectionné. Alors, qu'est-ce que tu vas me trouver? Merci. Ah oui, non, mais parce que là, je commence à en avoir besoin, hein. Ah, il n'y a que 241, zut. Zut. Parce qu'après, on est obligé de partir loin. Hein. Alors, je sais qu'il y a des véhicules, mais bon. Ouais, toujours pas, hein. Oui, le froid, il arrive, les amis. Le froid, il est là, hein. Et ben, évidemment. Je les laisse finir. Ça y est. Normalement, lui tout seul. Pas un souci. Voilà. Est-ce que c'est... Oula. On va aller se faire l'ours. On va l'attirer. J'aime beaucoup faire ça. Tout ce côté-là, j'adore. Le reste, on s'en occupe quasiment pas, en fait. Oui, de temps en temps, il faut suivre les zones de collecte. Mais, regardez, voilà, les forestiers, ils sont en train de repeupler. De refaire les stacks des bois. D'arbres, on va dire. Alors oui, il y a un truc, c'est qu'il faut, lui il faut le suivre vraiment beaucoup parce que, ça débite, hein. Mais sinon, bon, le reste, c'est pas un souci. Voilà, pour le moment, j'ai personne qui souffre de froid, c'est déjà pas mal, ça veut dire que j'ai bien bossé. Mais, j'espère qu'ils vont tenir, hein, parce que l'hiver là... Alors... Et
Et oui, j'utilise un... Eh. Bah, il faut pas être débile, hein. Qu'est-ce que vous croyez? Aïe, ça y est, les ennemis sont là. Alors, bon, elle a fini. Merci. Oh oui. Ah, c'est dommage, j'aurais dû sortir. Non. Ouais, trop dangereux. C'est elle que je vais envoyer. Ah ouais, elle va beaucoup plus vite. Ah! Un colon avance vers vous d'un air excité. Hé chef, je pourrais vous aider à donner un coup de pouce supplémentaire à l'humeur des gens. Si vous me donnez des matériaux, je pourrais construire un instrument de musique et rendre leur travail un peu plus facile avec de la musique. Je pourrais faire une guitare, des tambours, ou puis-je construire un orgue d'église, s'il vous plaît? J'ai toujours voulu faire un orgue d'église. Alors, on va lui faire un orgue d'église parce que le plastique, c'est pas un problème, même si ça consomme 12 de bois. Mais là, le tissu, non. Ouais! Cela prend beaucoup de temps. Mais vous voyez finalement que l'homme revenir, traînant derrière lui un orgue massif. Il réussit à le tirer au centre de la colonie, s'assoit derrière le clavier. Une chanson pompeuse et englobante emplit l'air. Comme un hymne divin. Les ouvriers ont l'air perplexes. Mais d'une manière ou d'une autre, cette vision étrange leur fait oublier à quel point ils sont fatigués. Et ça, c'est important. Hein. 30, augmentation moyenne à 35. C'est la première fois que j'ai un 35. Oh la vache, hein. C'est cool. C'est cool. Bon, non, on va attendre. Hein. On va attendre pour ça, même si... Ah non, j'ai du monde, là. Maintenant, j'ai du monde. Ouais, mais... attendez un peu. On va d'abord regarder où j'en suis ici. Non, j'en ai deux. C'est bon. Donc, non, on va pas mettre. Hein. On va pas mettre. J'ai de la contamination ou pas? 12, ça va. Je sais jamais où est le deuxième. Il est là. 38, ben voilà. Eh ouais. Il se lave. Mais tant mieux hein, qu'il se lave. Comme ça, on a moins de malades. Mais bon. L'eau. Ça va. Bon, j'ai dit qu'il faut que je suive elle. Combien il en reste? Ah ben voilà. Ils ont fini. Super. Dès que t'as fini, je t'envoie à l'extérieur. Merci. Est-ce qu'on a du danger? Pour le moment, ici, on a l'air d'être peinard. Alors, hop. Eh ouais, vous imaginez un peu? L'autre, on le mettait 4 jours pour faire ça. Okay. Eh ouais, non, mais il faut faire attention, hein. Il faut être très prudent. C'est pour ça que 2 recycleuses, c'est un minimum. Une scientifique, ça suffit. 2 combattants, c'est aussi un minimum. Alors le seul truc, c'est ça. C'est qu'à chaque fois que vous passez d'une vue à l'autre... Ah ben oui, là, la tempête hivernale, c'est un peu logique qu'il neige. 1, 2, 3, 4... Où sont mes gugus? Alors, viens ici. Tu viens ici. Désolé, je fais une pause parce que... Mission complete. Ça c'est cool. Allez, viens chercher ça. Ah ouais, là je fais une bêtise. Et oui, je suis en train de les faire marcher en plein bizarre. Et en plus c'est dangereux. Je les fais passer n'importe où. Bon, je vais attendre d'avoir le deuxième combattant parce que regardez,
Il a pris cher. Et les deux autres aussi, ils ont subi des dommages. Ah, voilà. Non, mais arrêtez de traverser n'importe où, sérieux. Mais ils le font exprès, c'est pas possible. Ah, mais oh. Mais arrêtez un peu. Oh, les mecs, là. Régénération, c'est à combien? Ah ouais, 30 PV par 12 heures. Le problème, c'est ça, voilà. On sait pas le nombre de points de vie qu'ils ont. Donc, on suppose que, vu qu'il en a 100, là, il est à un peu plus de 50. C'est-à-dire qu'il faut 24 heures. Ah mince. Mais le forestier, à chaque fois qu'il y a une tempête hivernale, il est désactivé. J'ai jamais compris. Pas grave. Comme ça. C'est comme ça. Aïe 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 aïe. Yes. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est encore que ce bordel? Oh, ça va pas faire beau, ça. Je vous avais vu? Je vous avais vu. Qu'est-ce que je raconte? Ce jeu, il est rempli de dingueries. Un petit groupe de personnes marchant à quatre pattes se dirige en effet vers la colonie. Sans un seul morceau de tissu sur le corps, ils déposent sur le sol un tas d'objets divers dont ils n'ont manifestement plus l'utilité. L'un d'eux s'avance, le nez en l'air et les yeux aiguisés. Nourriture, puis revient-il à grogner? Donnez un peu, qu'est-ce que j'ai? 80... Alors attendez. Ouais. Ces gens étranges se précipitent vers la nourriture dès qu'elle est posée sur le sol, l'attrapant rapidement avant de s'éloigner de nouveau. Ils y mordent dedans et avalent quelques bouchées avant de retourner dans la nature en courant et en reniflant. Plus vite qu'on ne s'y attendrait pour des humains se tenant à quatre pattes. Eh ben oui, non mais ah bah, y a, bah oui c'est des... Ah y en a qui ont mal tourné, hein, ils ont l'esprit... Qui est pas fatigué. Bon, l'artisan est débloqué, c'est bien. Combien j'ai de points? 91, ouais c'est pas beaucoup. Hein. Ah. 3 colons malades, alors vite. We've reached a milestone. Ouais, un bébé. Bon, il me reste des bricoles, mais je vous ai dit les jalons, tout ça, je. Ça me passe au-dessus. Ah ouais, ça m'arrange pas, ça, qu'il y en ait 4 de malades d'un coup. On pose le tailleur? Ouais, on va poser le tailleur. Le problème, c'est que je sais pas où le mettre. Attendez un peu. Rentre là. Ouais. Les outils, on en a besoin. Par contre, toi, tu vas te bouger vite fait parce que... Bon, allez. En fait... All done. Super. Allez, vite. Ramène le bois. Alors, j'ai des choses que je comprends pas. Vous voyez, il y a des fois, on n'arrive plus... Bon, bref. Voilà. Ouais, j'ai vu l'équilibre des pouvoirs. J'ai vu que bon. Mais ça va durer 23 heures. Pendant 23 heures, ils vont se tirer sur la gueule. Hein. Le jeu me plaît beaucoup. C'est juste que, malheureusement, il est déséquilibré.
Vous lancez une partie, vous la prenez, vous prenez une mauvaise carte, mais vous êtes mort en 15 jours. Là, je suis à 17 jours. Alors oui, je sais, vous allez me dire, ah, tu joues à 100%, mais vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. La partie de 100%, elle est prête. Mais d'abord, il faut que je présente le jeu à ceux qui ne le connaissent pas. Hein? Bon. Non mais oh. La place de la colonie. Eh ouais, mais le problème c'est que j'ai pas... On la met là? Les objets empêchent la construction. Ah, il y a des billes. Venez me nettoyer le tas, s'il vous plaît. Voilà, le tailleur est construit. Voilà, très bien. Alors le truc, c'est l'inconvénient, c'est ça, c'est qu'il faut 5 fibres. Le problème, c'est que moi, les fibres... Mes gars, ils en font pas. Eux, ils font pas de fibres. Utiliser chaque morceau de l'animal est à la fois respectueux et astucieux. En écorchant et en tannant soigneusement la peau d'un animal, on en fait une fibre très utile. Amélioration, cabane de chasse. Ah, oui, mais je l'ai pas posé. Ah, effectivement. Alimentaire. Le trappeur. Ouais. Alors ça... Oh bordel. Bon, on va attendre. Je suis obligé de laisser passer. Je vais décaler lui pour la poser là. Eh ouais, eh ouais, eh ouais, eh ouais, j'ai fait une boulette. Une grosse boulette. Il va me falloir poser un deuxième forestier parce que je vais pas en sortir moi là. S'il faut que... Ah ouais, parce qu'il va falloir que je recouvre de bois complet. Parce que sinon... je vous l'avais dit. Je m'en doutais. Bon, il a fini, lui. Il a fini d'explorer, là. Oui. Voilà. Ah, un tas de bois. Oh, des ruines en bois. Ah, ben super, super, super. Hop là, c'est parti, encore. Alors, par contre... Par où je l'ai fait passer, voilà. Encore? Mais il y en a des visites aujourd'hui, dites donc. Comment ça? Ouais. Eh ben oui, hein, c'est un bébé. Donc un bébé, ben il a pas de maison. Oh mais c'est des gamins, hein. Un enfant et une femme qui marchent à grande peine s'approchent du portail, main dans la main. La femme est mal en point et a besoin d'une assistance médicale. Pitié, pitié, vous pouvez donner un médicament pour ma maman, demande l'enfant d'une voix presque brisée. Nous retournons à l'est voir papa, mais maman est tombée malade en chemin. Ah, elle vient de donner une graine de... des choux. Et du chou. On va pouvoir faire de la culture de chou. Ouais, va falloir que je m'occupe de ça. Oh, ça m'énerve. Ah. Eh ben oui. Yes. What's up? Il a fini, hein. What's up?
Comprenez, je vous ai dit qu'il faut garder cette vue. Le problème, c'est que c'est pénible. C'est que ça n'arrête pas de disparaître. Yes. Bon, il a fini. Voilà, viens faire les baies. Après, je suis content de tous les deux. Là, je vais les mettre. Ouais, non, je vais pas mettre les colons, le faire, tant pis. Voilà, l'abri d'urgence est terminé. Alors, voyons voir. Ok. Qu'est-ce que je lui fais faire? Le bar chocolaté, c'est pas l'urgence. Ici, on a quoi comme dommage? Faudrait qu'ils y aillent à deux, hein, plutôt. Sounds good. Ouais, peut-être plutôt qu'ils y aillent à deux. Hein. On peut les envoyer à deux, c'est pas toujours évident, mais je sais que ça fonctionne. Encore une irradiation. Oh là là là. Et hop là, super. Eh, j'ai 9 personnes de libre. Le problème, c'est ça, c'est que j'ai... Ah, ça y est, ça recommence. Je vous ai dit, hein, je vous ai dit que c'était pénible. Hein. Ah, mais le jeu, là, de ce côté-là, il est chiant. Une petite armée de bandits bien organisée à Paris, juste devant la porte, portant haut les bannières de la lune brisée. En tête se trouve une femme, très probablement leur chef. Bien bonjour mes chers amis, nous avons observé la chute de plusieurs morceaux de la lune dans cette zone. Espérions que vous auriez la sagesse de les partager avec nous. Elle s'exprime avec le sourire, ce serait franchement impoli de les garder tous pour vous-même, ne pensez-vous pas? Eh ben non. Vous venez de commettre une grave erreur, dit-elle, toujours le même sourire aux lèvres, tout en donnant l'ordre à son groupe de passer à l'attaque. À une prochaine fois, j'espère que d'ici là, vous aurez appris les bonnes manières. On risque rien, hein, mais bon. Faut juste réparer. Bah alors. Allez. Aïe aïe aïe. Ah, il y en a deux. Ah, ça ne m'arrange pas du tout ça. Bon, alors, je vais vous dire un truc. Je m'en fous. C'est pas que je m'en fous, mais je la laisse. J'ai pas besoin de l'utiliser, de l'activer maintenant. Ça plus tard. Il faut vraiment que je récupère de la science et que j'améliore. J'aime toujours mettre un poste de garde parce que ça fait des hommes armés en plus dans la colonie. Quand on en a pas, c'est pénible. Mais quand on en a des gens, il faut en profiter. Le truc, c'est que il faut de la vie. Je n'en ai pas. Hein. Ouais, il faut 125 points. Oui, voilà. On a les patrouilles de surveillance. Ajoute un emplacement de garde supplémentaire à vos postes de garde. Ah, oh, zut. Hein. Ah ouais, non, mais ça devient pénible. Là, j'avoue que ça devient franchement gonflant. Hein. Il respecte pas les voix. Est-ce que c'est énervant? Est-ce que c'est énervant? Des coups de pied au cul, oui. Ah, et ben voilà. Et ben voilà. Et ben voilà. C'était prévisible.
Bon, finissez-moi ça. Ah non, c'est celui-là. Finis-le seul au moins, que je puisse poser le... Le truc de bonnet. Mais qui c'est qui est terminé? Ah, tous les deux. Je ramène la nourriture. Oh, les terres dévastées après l'apocalypse sont un lieu hostile, mais rien ne vous force à survivre seul. Plusieurs autres groupes ont surgi des cendres dans l'ancien monde, chacun avec ses propres motivations et idéaux. À vous de choisir si vous souhaitez devenir leur ami ou les combattre. Gagnez en réputation en répondant à des demandes et devenez leur allié pour accéder à des bonus et des bâtiments uniques. Vous pourriez également lancer des missions secrètes pour les saboter ou leur voler des ressources. Attendez-vous simplement à ce qu'ils fassent de même chez vous. Eh oui. Eh oui. Nous avons découvert quelqu'un. Alors là par contre il faut que j'y aille. Bon alors on va faire un truc. Right away. Tant pis. Vu qu'elle va rentrer. Alors lui il a quoi? Je comprends pas l'équilibre des pouvoirs. On a un mec qui fait 22 dégâts d'attaque. En face il y a 1 de dégâts d'attaque. Ils sont 15. Donc ça fait 15 springs. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Oui, viens m'enlever ça, s'il te plaît. Bon, ah, ça y est. La tente est prête, donc bien évidemment, c'est quand elle est prête que j'ai plus de malades. Comme d'habitude. Bon, allez, l'hiver, là, ça suffit. Ah, mais, bah, dis donc. Alors, on a dit que il faut que je mette le trapper. Mais qu'est-ce que c'est que ces beans? Ainsi que... Alors, bon, la torche, j'ai jamais compris à quoi ça pouvait servir. Le dépôt de société, bon... C'est pour créer, on verra, largement beaucoup plus loin, on a d'autres priorités, n'est-il pas? J'ai du monde, donc on va poser un forestier numéro 2. Bon, ici ça pam, ça, voilà, ça bosse. Ça bosse tranquille. Ah, mais j'ai largement du métal maintenant. Ouais. Là, il y a urgence. Il y a ultra urgence. On en est où? C'est toujours bon, c'est pas mal, ça va. Et lui, 20%. J'en mets une troisième peut-être. Enfin une quatrième plutôt. Bon, on avance. Le problème, ça va être encore le bois. Alors j'ai une autre solution. Puisque quand elle a fini... Je vais l'envoyer s'occuper d'ici, mais ça va prendre du temps. Voilà. Your command. Consider it done. Not gonna work.
Sounds good. What you need? Can't do that. Can't complete the... Not going to happen. Ah, ça c'est chiant. Yes. Bon, je vais le laisser là pour voir s'ils ont besoin de se défendre. How may I help you? Alors, elle est arrivée, tant pis, hein. Eh, on est au 19e jour, les amis. 19e jour! Allez, on va faire, on va essayer de faire une méga forêt, là. On va essayer de faire une méga forêt. Ouais, je savais. Ah non, c'est le trappeur, qu'est-ce que je fais? C'est quoi le bâtiment qui... Oui, les toilettes, ensuite. Ah, voilà, il est là. C'est lui que je mets ici. Deux personnes, le trappeur. Je manque pas de nourriture, donc je vais en laisser qu'un pour voir combien il va me produire. Attends. Oh! Tu dois me produire des fibres. Ah! Oui, c'est ça. Ici, on n'a pas d'amélioration. Ici, il n'y a rien. Il n'y a aucun stock. Ah, c'est chiant. Ah, ça va pas du tout. Hein. Décontaminé. Ah, oui, effectivement. Ici, c'est bon. Ouais, il n'y a plus de vêtements. Il n'y a plus de vêtements, l'hiver étant passé, ils ont consommé énormément. Ouais, bah oui, je suis obligé de poser le dépôt de maintenance alors que j'avais pas... Alors, ça, c'est le bâtiment qui m'emmerde le plus. Vous voulez que je le mette où, moi? J'ai plus de place pour les mettre. Et comme il ne fonctionne qu'avec le cercle, ça veut dire que les maisons qui viennent, les tentes qui viennent d'être touchées, elles sont pas réparées. Ah, déconnez pas. J'ai toujours horreur de ces bâtiments. C'est pour ça que je préfère pas le mettre. Tant pis pour moi. On fait comme ça, hein, qu'est-ce que vous voulez? Ici, tout est bon. Et ici, tout est bon aussi. Je vérifie juste en cliquant sur eux si j'ai pas de nourriture que j'aurais laissé quelque part. Hein. Je vous rappelle que j'ai quand même encore les sangliers dans le coin. Hein. Donc il faudra que je vienne les faire, plus les rabousiers. Mais on va d'abord avancer un petit peu dans la collecte de ressources. J'en arrête là pour aujourd'hui sur Survivings et Aftermath. Presque 20 jours, donc les 3 semaines en ligne de mire. On est passé à travers les tempêtes glaciales et les vagues de chaleur. On a eu un spécialiste qui nous a rejoint avec quelques personnes, mais je maintiens. Voilà, j'arrive à tenir. Mon problème, c'est que là, je commence à manquer un peu de plastoc. Et surtout du bois. Donc bon, je vais récupérer tout ça, donc ça va. Ouais, j'ai 77 et 219, ouais, presque 300, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Et puis vu que ce sont mes spécialistes qui vont le faire, ça devrait aller plutôt rapidement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, amusez-vous beaucoup, prenez soin de vous, portez-vous bien. À bientôt, salut, bye bye.